C'est assez rigolo de jouer des personnages de fantasmes parce qu'il n'y a pas vraiment de mesure, il n'y a pas vraiment de limite. On peut se permettre d'être un peu... de déborder. Et puis c'est un vrai truc de comédie, donc moi ça m'amusait beaucoup. Une bonne et une mauvaise nouvelle, monsieur Leblanc. Monsieur Leblanc. La mauvaise, vous avez un cancer. La bonne, on peut vous opérer. Moyen. Je fantasme moyen. Mais en même temps, j'ai pas du tout envie de me moquer parce que j'ai le souvenir que quand je suis arrivée là-bas, j'avais évidemment, comme toute bonne Française qui se respecte, envie de ricaner dès que je les entendais parler. Et puis très vite, je me suis sentie lamentable parce que c'est tellement les gens les plus gentils de la Terre, les Québécois, qu'on se sent tout ridicule de se moquer de leur accent et tout. Puis surtout, au bout d'un moment, on s'y habitue moi-même. J'avais payé un peu l'accent là. Vous croyez quand même pas que je vais vous le dire? Je sais même pas si j'en ai, parce que je crois que pour l'instant je touche du bois, mais j'ai plutôt de la chance dans ma vie. Quand j'ai très très envie de quelque chose ou de faire quelque chose, je me donne les moyens d'y arriver. Elvis Presley. Well, it's one for the money, two for the show. But we to get ready now, go cat. Elvis Presley. Ouais, comme acteur, Joaquin Phoenix. Je trouve que c'est un acteur extraordinaire. Je trouve qu'il est fiévreux, brisé, tout ce que j'aime. Viens baiser ta star adorée. Non. Oui, c'est pas que je veux pas, mais... Les stars sont trop intimidantes. La perfection souvent paralyse. On peut préférer se mettre en train avec une beauté plus familière. Non. Quand même, toute ressemblance avec la réalité... Non, non, c'est un personnage, c'est un film, c'est une fiction. C'est... Non, je suis pas du tout comme ça dans la vie. Je ne vais pas sauter. Non, je crois pas. À moins d'être très très ivre. Et encore, je suis pas sûre.